Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé de la classe de neige de l'école Saint-Thomas de Villeneuve, Chaville. Nous commençons notre journal par un premier sujet sur le ski, présenté par Sandy et Julien. Oui, tout à fait, mon cher Jean-Baptiste. Nous sommes en direct des pistes de ski de Val Thorens, la plus haute station d'Europe, 2300 mètres. Il y en a qui se prennent des gamelles. Je pense que Vidéogag serait preneur. Cependant, la majorité des élèves font d'énormes progrès. Tout de suite, nos images.
poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe présenté par Antoine et Laurence. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes en classe de neige. Nos matinées sont consacrées à l'étude de la montagne en même temps que notre programme normal. Anne, vous m'entendez toujours? Je suis en direct de la classe. Et oui, que voulez-vous? C'est pas des vacances, la classe de neige. Tais-toi, va au tableau, souligne en vert. 500 fois 1000. Alors, Anne, vous répondez?
passer à table. Voici un sujet à croquer, le repas présenté par Romain et Clémentine. Eh oui, Jean-Baptiste, si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Grâce au bon petit plat préparé par l'équipe des cuisines de l'Académie des Neiges de Val Thorens, je vous invite à déguster ces quelques images. Thank you.
se coucher, nos élèves profitent d'une veillée boum présentée par Adriane et son petit copain Florent. Eh oui, ma chère Anne, on s'éclate comme des fous sur des tubes vachement chébrants. Avec Sergio à la scène, ça déménage. La dance, le rock et plein d'autres musiques folles. Tout le monde danse, ils sont tous accros à la musique, c'est fun. Tout le monde est accroché au rythme de la musique, c'est dingue. Tout de suite, nos images. Et merci Jean-Claude, le roi de la caméra, monsieur Everroy, merci. Afin de découvrir Val Thorens, nos élèves participent à un grand rallye, reportage Romain et Jessie. Oui, Jean-Baptiste, nous sommes en direct de Val Thorens pour le grand rallye qui va permettre à l'ensemble de nos élèves CM1 et CE2 confondus de découvrir la station et son environnement dans le cadre d'un grand questionnaire. 8 équipes s'affrontent amicalement dans un grand jeu culturel et sportif. Nous sommes toujours en liaison avec nos élèves. Non, ils ne sont plus là, ils courent, vite. Il ne reste plus que 15 minutes pour gagner le rallye. Jean-Baptiste, je vous les laisse. Découverte de la station dans le cadre d'un jeu de piste, un rallye précisément, vous voyez, ils courent après leur épreuve. Ils sont dynamiques. C'est pour le jeu. Thomas Payette dans une... Vite, on semble... va ici. Je suis en train de les suivre, nous sommes là absolument en direct avec des CM1 et des CM2, des CE2, voilà, de Saint-Thomas. Nous les suivons, il faut dire que la saison n'a pas ouverte et le direct se poursuit toujours à Val Thorens dans le cadre d'un rallye. Ici Jean-Baptiste dit JB, l'animateur de choc. C'est chaud. Qui supervise donc l'opération de découverte d'une... Merci, alors nous les suivons. Bonjour. Oui, ah bah la différence, oui, je la connais. C'est quoi? Alors, la différence entre chamois et le bouquetin. Alors, les cornes déjà. Parce que bon, le poids aussi. Parce qu'un bouquetin, ça peut peser plus de 200 kilos. Ça a des cornes qui ont des anneaux beaucoup plus... mais tu vas pas pouvoir tout écrire, si je t'explique. C'est le lac de Pan. Nous laissons cette équipe qui doit donc poser des questions aux commerçants locaux. On va au café. Il est en train de chercher, qu'est-ce qu'il cherche là en ce moment? J'ai donc un commerçant pour les aider à trouver donc cette perle des neiges. Nos candidats, CE2, CM1, mélangé de Saint-Thomas. On est là. Ils sont un peu perdus. Qu'est-ce qui est marqué là? A conduit, Académie des neiges, montagne, ski, soleil, enfants et frites. Moi j'ai une idée. Multiples questions correspondant au site, à la faune et la flore du site. Corinne, animatrice, qui s'assure de la sécurité et du bien-être et du confort de ses élèves. Je vais te voir à TV. Durant, tout simplement. Ah, le mesure, merci. Ouais, je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et vous restez dans cette partie-là. On se rejoint ici dans un quart d'heure, d'accord? Allez, c'est parti. Où est la galerie? Enfin, non, on n'a pas trouvé. Mais c'est pas nous. On a Carabus. En train de répondre à quelle question, là? Galerie. Quoi? Toutes. Dans quelle galerie se situe le magasin de Christian Guachel? Alors là, je pense que les jeunes du club sport Val Thorens vont te répondre. C'est quoi? Galerie de Caron. Galerie Caron, qui permet donc à tous ces élèves de Saint-Thomas de découvrir Val Thorens. Voilà, on se quitte. Fin de ce reportage. À la prochaine dans notre journal pour un nouveau sujet. La grande championne Marielle Guachel répond aux questions de nos élèves Patricia et Ludovic. Ça y est, le moment tant attendu. Et oui, Jean-Baptiste, Marielle Guachel arrive pour répondre à nos questions. Si c'est un coup, hein. Et des médailles olympiques, qu'est-ce que vous dites de ça? Quelle championne? Tout de suite, nos images. J'ai la passion du ski. Comment est-ce que j'ai eu la passion du ski? Eh bien, quand je suis arrivée, j'ai 50 ans, moi, tu vois, un demi-siècle. Je suis de 45.
presque du temps de la sécurité sociale, mais je suis en meilleure santé. Et donc, quand je suis arrivée à Val d'Isère, j'avais 3 ans. Et Val d'Isère, c'était un peu à l'époque comme ici, vous voyez, il n'y avait que de la neige. Donc, j'ai pu faire que du ski. Et comme j'étais passionnée par le sport, eh ben, j'ai fait du ski. Si j'avais été ailleurs, j'aurais fait un autre sport, sûrement. Mais c'est vrai que comme j'étais dans une station de ski, et que pour aller à l'époque... En 1968, à Grenoble, où j'ai gagné le slalom spécial et médaille d'argent du combiné. Et... C'est vrai qu'on vous a volé beaucoup de médailles. Ah, vous êtes au courant de tout. On vous en a volé. Ben oui, c'est vrai qu'on m'a volé. On m'a volé, non. Alors donc, elle m'avait battu en descente. Mais en fait, comme c'était un homme, ben elle me l'a rendu. Voilà. C'était un homme parce que c'est une histoire assez drôle et qui est assez marrante. Autrefois, quand on était de mon temps, on naissait pas dans les hôpitaux, on naissait dans des maisons, on naissait dans la campagne. Et elle, c'était au fin fond de l'Autriche, et très certainement, comme le zizi ne pendait pas, le docteur a dit que c'était une fille. Hein, ou la personne a dit c'est une fille. Et en fait, c'était tout à l'intérieur. Et après de multiples opérations, ça va peut-être un peu vous étonner, parce que ça fait plus trop partie de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut rien faire dans la vie. Si un, on ne travaille pas, deux, on ne travaille pas, et trois, on ne travaille pas. Voilà. Tout ça, si vous voulez, je vous conseille non pas de faire un métier pour gagner de l'argent, mais de faire un métier que vous aimez. Et mais vous ne pouvez pas avoir des parents qui étaient mieux que les miens. Avec Jean-Christophe et Cyril, on retrouve un reportage sur les gendarmes en montagne. Elle ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Tiens, voilà les gendarmes qui nous parlent de leur métier de secouristes en cas d'avalanche. Tout de suite, nos images. Puisqu'il fait, il fait son service militaire. Ce qu'il ne faut pas faire. Et différentes disons, sortes de ski, si je puis dire. Parce que pour vous, en majorité, c'est où ? Non ! Voilà, elles ont été vérifiées le matin. Les pistes, on dit qu'elles sont sécurisées. Le matin, avant d'ouvrir une piste, il y a ce qu'on appelle dans les stations des services des pistes. Et au service des pistes, l'heure d'avalanche, c'est autre chose, je ne veux pas être trop technique parce que ça va... On s'enseigne ? Souvent en dessous, il y a les pistes. Et sur les pistes, il y a du monde. Hein, beaucoup plus qu'en hors-piste, heureusement d'ailleurs. Et des fois, bon, ben, on coupe une pente, ce qu'on appelle, et pfiou, ça tombe. Donc c'est vrai que les skieurs, les surfeurs et autres peuvent déclencher les avalanches. Mais c'est très froid, ouais, elle commence à geler et... Ouais, c'est bien. Il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il y ait de la neige. Ça, c'est une des conditions. Donc là, en début de saison, nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'il neige, qu'il y ait beaucoup de touristes. Donc il neige, et ça durcit bien le terrain, avant qu'il neige déjà. Que le terrain soit bien dur, et après il neige. Ça, c'est les conditions idéales. Donc là, on dit la neige se transforme. Donc elle devient lourde des fois. Et tous les ans, bon, bah, malheureusement, elle a un petit peu le problème du hors-piste des avalanches. Après, bon, on est fatigué et tout. On dit, allez, il fait encore beau. Je continue un petit peu encore du ski. Et c'est là que on se casse. Une avalanche. Lorsqu'on voit une avalanche, donc on a dit, on voit une avalanche, on reste tombé, on sait que l'avalanche est là. Avec ça, hein, ça se visse, ça sert à sonder, ça veut dire, donc là j'ai pas assez de hauteur, donc on va sur l'avalanche et on sonde. On part tous en ligne et on part, on sonde. D'accord, hein, si on sait qu'il y a quelqu'un en dessous, bon bah il faut le trouver. Alors, pareil, ça c'est le secours. Oui, parce que ça fait la couche d'air. Ouais. Le meilleur principe, bon bah vous roulez parce que vous ne pouvez pas avoir un petit peu de quoi respirer. Ça c'est une chose à savoir aussi. Monter. Bon, des fois on part des menus. Donc, ça n'a rien à voir, je veux dire, avec des skis de piste. Donc le ski n'est pas le même. Là on met ça dessous. Alors on met là. Voilà. Alors, là c'est moins fatigant. Là c'est quand c'est raide. Ah, mais celui qui part là, ça pèse rien du tout, ça se démonte, mets ça dans le sac.
et au fur et à mesure, on avance. L'idéal, c'est s'il y a plusieurs secouristes, bien sûr. L'idéal, plus on approche du gars, d'accord ? Et là, on a déjà fait l'essai dehors et tout. C'est l'hélicoptère. S'il peut pas, nous, on y va aussi. Hein ? Mais les gars, là, les collègues qui sont pour Saint-Maurice, c'est vraiment le gratin de la gendarmerie, je dirais. Pas mal. Ah, il me fait un cobaye. C'est là, j'en mets. Si la bouche, c'est vraiment qu'il est musclé. Hein. Voilà. Et avec ça, on... D'accord ? C'est bon ? Et sur le traîneau ? Hein ? Après, on met sur le traîneau. Ils sont arrivés. Hein. Hein, parce que quand on va, nous, en ski de randonnée, lorsqu'on travaille pas, on va faire du... Oh, s'il vous plaît. Lorsqu'on fait du ski de randonnée, on n'amène pas ça. Hein. Ça, c'est déjà les secours, hein, parce qu'ils arrivent. D'accord ? Ça va ? On retrouve le ski deuxième partie. Présenté par notre dieu de choc, Thomas et Domitille. Effectivement, ma chère Anne, toujours en direct des pistes de Valto, où nos jeunes chavulas font d'énormes progrès, notamment à 3300 mètres sur le glacier, où ils ont quand même de belles gamelles. Le chasse-neige, la trace directe, le virage dérapé, non plus de secret pour tout de suite nos images. Thank you.
ainsi notre dernière soirée, le cabaret qui clôture notre séjour, présenté par Anne-Charlotte et Étienne. Cette soirée cabaret avec la veillée au programme, danse, musique et beaucoup d'autres choses. Nous vous présentons quelques extraits filmés par notre animateur vidéaste Jean-Claude de Télé Val Thorens. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il l'a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans les bras. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Le jour suivant, le voisin Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Le fusil éclate, la ville est affolée. Le chat hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le matou revient le jour suivant. Et le matou revient, il est toujours vivant. Fou s'engage à partir en ballon pour aller dans la lune déposer le chaton. Mais au cours du voyage, le ballon a crevé. Le fermier apprend que un cadavre à l'autre bout du monde, un cadavre est retrouvé. Mais le matou revient le jour suivant. Et le matou revient, il est toujours vivant. Le fermier saute de joie car il n'a plus de soucis. Le lendemain matin, on l'appelle de Miami. Le jour suivant, et le matou revient, il est toujours.
nous avoir suivis jusqu'au bout sur Télé Val Thorens. Un grand merci à Marielle Guachel et toute son équipe, sans oublier Jean-Claude et Thierry, respectivement, animateurs vidéastes et animateurs vidéo. Bonsoir. Voilà, notre journal est terminé, en espérant que vous aurez grand plaisir à vous le rediffuser. Bonsoir.